Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vos recommandations. Qui est donc une série de vidéos dans laquelle je teste des objets que vous me recommandez. Ah bon ? Non, parce que j'étais pas sûr du concept, ça me semblait pas assez clair, vraiment t'as bien fait de l'expliquer. Ah tu vas aller loin dans la vie gamin. J'ai déjà testé une souris que vous m'avez recommandée, des écouteurs que vous m'avez recommandés. Et pour l'instant, on va pas se mytho, c'était pas ouf. On a eu quelques petites déceptions. Aujourd'hui j'ai choisi un truc que vous m'avez recommandé sur Instagram. Ce sont des enceintes de chez Logitech et vous avez été énormément à me l'envoyer. J'avoue que moi aussi j'en avais déjà entendu parler il y a un petit moment. Et je pensais que depuis c'était un peu dépassé et qu'on faisait des trucs mieux. Apparemment pas. Alors ces enceintes là, à la base, c'est des enceintes qui sont faites pour le PC. Vous les branchez, vous les mettez d'un côté et de l'autre de l'écran. Mais évidemment, vous pouvez aussi brancher un smartphone dessus. Enfin, normalement. Le truc de ces enceintes là, c'est que, bah, j'en avais entendu parler comme ça en tout cas à l'époque. C'était il y a genre un an. C'est qu'elles étaient considérées comme étant les meilleures pour ce prix là. Ça vaut 17,50€, donc c'est pas énorme. Pour des haut-parleurs, c'est un prix relativement bas. Et généralement, vaut mieux pas acheter un truc à ce prix là. À part si vraiment ça te dérange pas d'avoir du sang qui coule de l'oreille. Mais perso, bon, si je peux éviter, j'évite. Dans la boîte, vous avez, comme d'habitude, un manuel qu'on ne va jamais lire. Désolé. Les enceintes, et puis c'est tout. Y a vraiment rien d'autre. Eh ben c'est bien, on va à l'essentiel. Alors, en vrai, je pensais qu'elle ferait beaucoup plus cheap que ça. Sur la boîte, ça avait l'air un peu bof, limite, très moche. Mais en vrai, ça passe. À part devant ici, c'est du plastique mat sur toute l'enceinte. En dessous, vous avez... Alors, je croyais que c'était du caoutchouc antidérapant, mais pas du tout. C'est un genre de... c'est de la mousse. Bon, ça marche un peu. Vraiment, je m'attendais à beaucoup plus de dégueu. C'est une bonne surprise. Alors ouais, par contre, si vous avez un double screen comme moi... ça fout de somme. Le fil est beaucoup trop court, donc il va pas vous permettre d'aller d'un côté et de l'autre de l'écran. Avec les autres enceintes, j'ai pas de soucis, mais là, on peut pas aller plus loin que ça. Pourquoi ? Les prises que vous avez sur l'enceinte, c'est une prise USB et une prise jack. Et la prise jack, vous pourrez pas vous en servir si vous alimentez pas les enceintes en USB d'abord. Ce qui peut être un peu handicapant aussi, vous pouvez pas déplacer les enceintes n'importe où. Mais en soi, c'est totalement normal. On peut pas faire fonctionner une enceinte juste comme ça, sans eau. Sans eau ? Ah mais j'ai soif aussi, ça me perturbe. J'ai beaucoup trop bu. On peut donc pas faire fonctionner une enceinte sans électricité. Voilà, bravo, c'est une phrase correcte. En vrai, je dis ça, mais peut-être. Je vais tester au cas où. Est-ce que j'aurais pas un petit adaptateur jack ici? Allô? Quelqu'un aurait un adaptateur? S'il vous plaît. Oh yes! Pour tester si ça marche vite fait, je vais essayer de lancer une vidéo à moi, parce que je suis extrêmement narcissique. Voilà, je me kiffe. Et effectivement... bah ça marche pas. Bon, je vais brancher les enceintes en USB à mon PC, histoire de les alimenter, et de tester avec des vraies musiques. Ok, alors par contre, je vais les mettre beaucoup plus proches. Je vais brancher ça aussi à mon PC. Oula, alors ça risque de pas trop s'entendre au micro et tout. Mais quand vous mettez le son à fond des enceintes et qu'il y a rien qui est joué, il y a un tout petit grésillement qui est pas fort. Et si vous y faites un petit peu attention, vous l'entendrez un peu. Dans tous les cas, si vous avez pas besoin du son sur votre PC, voilà, vous éteignez, vous entendrez rien. Mais c'est quand même un petit truc à noter. On va tester la musique en allant sur Epidemic Sound comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est un site qui propose plein de musique et bruitage que vous pouvez utiliser sur YouTube sans que votre vidéo soit démonétisée. Donc je risque de l'utiliser longtemps. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, vous avez en dessous dans la description un lien qui vous permet d'utiliser le service gratuitement pendant un mois. Si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire. Donc c'est complètement gratuit pour vous et moi de mon côté ça me ramène un petit peu d'argent. Parce qu'on rappelle que le but de cette chaîne c'est de faire un maximum de thunes. Ah oui, bah alors je me disais que le son était bon, mais en fait j'étais sur mes enceintes normales. Paramètres de son, ok c'est celle-là. Est-ce que je mettrais pas un peu de rock? Bah en vrai, le son est très bon. Et quand même un très gros point noir, c'est que si vous mettez un peu trop fort, ça va grésiller très vite. En gros, si vous mettez le son de votre PC à fond et que vous mettez ce contrôleur là à plus de 50%, il y a de fortes chances que ça grésille un peu sur les basses. Mais en vrai, si vous voulez écouter de la musique ou quoi, vous avez pas forcément besoin de dépasser les 50%, donc c'est pas ultra handicapant non plus, mais quand même faut le noter. Bon alors, est-ce que pour 17 balles, c'est le meilleur truc que vous puissiez acheter? Honnêtement... je pense. Le son est très clair, il y a pas mal de basses. Bon après, comme je vous l'ai dit, si vous mettez un petit peu trop fort, ça devient un peu mal géré. Mais de base, c'est assez bon. Le son est très correct. Bah écoutez, je suis plutôt content. Ces enceintes-là, c'est un très bon bail. Et ben merci de m'avoir recommandé ça. Vous m'avez recommandé un truc incroyable, là. Vous avez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous aussi, vous voulez me recommander des objets, vous avez Twitter et Instagram, sur lesquels mes messages privés sont ouverts. Donc vraiment, vous pouvez y aller sans problème. Et si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne, il y a un bouton rouge juste en dessous. S'il vous plaît.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!